Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Troisième numéro critique info. Ce matin, à Kinshasa, Tolamouki, c'est vrai, Tozo Tambola na Mokiliango, Nenge, Tozo Tambola Nango, et Nazana Posa Kosongela, Marambo Tolobaki, la Pessibino Merci Mingi, Nabato, vous salivez sur confiance, depuis vos hommes en option la TV, Batumusu Baza la Koute Monsieur, ainsi la T, Abani Maman Kobenga, oui, oui. Et ça libre son plaisir. Rassurez-vous d'une seule chose. Pour ça, n'abusez pas que tout ça la va émission ou en direct. Pour que tu fasses participer Bino. Pour participer à chaud. Tu mets le solo ou tout ça à Kinshasa. Et tu as la photo. Tu as dit que tu heure. Mais tu as la direct. Que Bino, tu as la bande ou tu as la possibilité d'interagir. Parce que ma cambo sur le marami ni mini bongo. Ça la un grand plaisir. Je vous rappelle Bino que tu as deux chaînes. Chaîne ou la politique. Exclusivement politique. Autrement, tu as ma solo politique. Où il y a critique analyse tu as appelé la version non spéciale où tu vas bien battu bah tu analyses bah info mais au delà de ça tu as appelé la logique moi quand tu vois ça là une émission sur le développement où tu vas bien analyser le développement comment on peut développer le Congo à partir de coltan à partir de cobalt tu vas bien analyser la bise même à partir de l'homme parce que richesse la bise sur les bosses dans le Congo ils a battu d'abord battu tu bongo la bango tu investir dans l'homme pour que tu bongo la mité mon bango pas comme battu malam. Mon Bible, tout ça, c'est le Congo, mingi mingi, topé Coran, balobi. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Dans la quatrième montée, quand les bosses sont dans nos bois, il faut que balolo yango pour ne pas servir ce bongo. Ça, c'est un très grand plaisir. Et aussi, donc, il y a moi toujours continuer au sein de Bino, appuyer Bino, pour les battre en tout cas, pour les battre. Et belé entre Bino, pour soutenir ma musique, pour soutenir ma projet à bien. On est tout à fait d'accord, mais il est temps de soutenir aussi Bayev Malonga Boy pour que tout. Et bah pour avancer, moi et Bélé, tout ça, on a besoin de toi avancer, toi qui n'es moussika, et ça l'a bisopé vraiment un très grand plaisir. Alors, le lot, tout ça, mais t'as l'histoire, il y a actualité à journée à l'élo, mais actualité, et quand même, il y a côté mon corps, actualité, quand même, il y a des cambouya, il y a bah ville au Badalaki, au Balongo Liango. Rappelez-vous, ville, il y a Béniville, Béni, Boutembo, Nayumbi, bah exclure Yango, na calendrier remanié, il y a monsieur Nanga. Alobi, bah, Bango, bah, élire le mois de mars. Parce que pendant ce temps, bah, on travaillait pour bah, résoudre le problème sécuritaire. Il y a un beau cas. Ainsi de suite, on a raison formelle au bah, PC. Ce que Bissot a ah, ouais, raté tout un gain info. Ah, ouais, tu critiquer P info. Et on a l'ingé na Bissot na Bino, tu sangi samaye les placements, tu travailler afin que tu pèses l'information à Malonga. Dans ce moment-là, bah, tu as l'ambé Bissot na Bissot na Bissot, tu as l'ambé Bissot na émotion. Dans l'émotion, tu es là avec raison. Si tu es là, 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 tu par exemple, on a eu des accrochages très positifs en tout cas. Maintenant, tu es là, quand même, tu es là, tu es là, pour es monsieur, pour es monseigneur Ambongo, es là, tu contenté là, tu es là, propos. Le problème avec ma Congolais, c'est de globaliser ma Kambou. Au lieu de séparer ma Kambou, et que l'on a un contexte Nango. Nous, on a un problème sérieux. Nous globalisons tout. Congolais, il y a un fanatisme. Congolais, il y a un sentiment, il y a une émotion. Et les cas raison. Et comment Kobo, il y a même une évidence. Congolais, il y a capable de faire un mouton à Pembe. A Boi. Pour un mouton à Pembe, on a fini qui va pas aller. A Boi, Nyoso. Et c'est là le problème. On globalise tout. On généralise tout. Tu vois, c'est la part de choses. Et or, Marambouya Monseigneur, j'avais bien dit que tout ce que Monseigneur Alouba qui est là, qui est très pertinent, très bien, le lot Moutou Moya contredire Monseigneur à Congo, exacté. C'est quelqu'un qui a fait des très bonnes études, il a suivi un bon parcours, c'est un religieux, c'est quelqu'un qui a une pertinence, il y a profondeur, il y a Kosa Kanate. Mais c'est un homme, c'est un humain, il peut se tromper, c'est un humain à qui qu'on s'est trompé, à sa sainteté. A Koki ko s'est trompé. La Bible Oyo Monseigneur Azo utilisé, Bible Wana Elobi Boye. C'est Paul qui le dit. Paul Alobi, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile qui soit anathème, ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit. Ça veut dire, si une sorte d'égarement, tu peux sortir mon propos, il y a malin mumingite, et bimina mounoka Monseigneur, tu koki ko l'obaki propos wana et zamabe. C'est ça aussi le rôle d'un peuple. Même bateau à chrétien, parce que les gens veulent être des fanatiques, même à l'église.
ce qui est pasteur le bibongo va tout bandimi bongo. Non, vous devez être un peuple qui lit, un peuple qui comprend, un peuple qui pose des questions, un peuple qui ne s'arrête pas parce que le clergé a dit ton dimission. Non, il ne faut pas être un peuple améniste. Il ne faut pas être un peuple oui-ouiste ou un peuple applaudisseur. Non, il faut aller un peuple juge. Il faut aller un peuple qui regarde. Un peuple qui regarde, un peuple qui a un œil sur toute chose. Un peuple qui dit non, non. Où est la vérité, où est la bien. C'est là le problème, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu. On a rien à la récapitulation. Et en gros, souvenez-vous, hein, tout le monde qui vient à l'émission, avant tout, on a un numéro, les bossos. Tout ça, on récap. Il y a l'émission en lobby, pour être là qui a divergence. Tout le monde ici en gros. De rétablir un mot et puis d'avancer. Je crois qu'on s'est fait très bien comprendre. Monseigneur Ambongo, c'est quelqu'un de très intelligent, de très pertinent, mais ce n'est pas un saint. Il peut se tromper à Zamoutou. Et puis ce peuple, ceux qui sont lingués, il faut tout savoir que non, à vous abouter, Koto Kemabe, Koto Kemalam. C'est même ça le rôle aussi. Il y a peuple Mokonakati Amboka. Alors, mes frères et sœurs, le nom de l'Obiboué, tout Africa News. Africa News, ils ont dit tri hebdomadaire, Mokona Kinshasa. Ils ont dit à M. Alain Koï, à Louis Boué. Élection nouvelle date clé. Élection nouvelle date clé. Benny Boutembo, Mova avait prévenu Nanga. Sévère mise en garde, il y a Fayulu. Oui, Fayulu a tient en garde Nanga par rapport à report, il y avait élection. Malobi na calendrier nabango. Le 31 décembre 2018, tina 5 janvier 2019, ndeba kosala ramassage na ba compilation. Mais c'est les manenge nini électronique to manuel. Tout le problème est là-bas. 31 décembre 22 janvier, ramassage, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial. 6 janvier 2019, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Voilà le 6 janvier. Donc, un jour après l'anniversaire, Nanga. Dimanche. Malgré dimanche, il y a bateau. Dimanche, c'est pour ça là. Annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Moi, je suis né le 5 janvier. 7 janvier et 7. 15 janvier, recours et traitement des contentieux des résultats à l'élection présidentielle. 15 janvier 2019, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez le Congo? 15 janvier 2019, publication. Il y a un résultat définitif de l'élection présidentielle. 18 janvier 2019, prestation du serment du président de la République. Président de la République a bimi le mois de janvier. Pas si na motema, mais na mois de mars, nde bandoka beni ba voter président. On aura tout vu dans ce pays. Non, on aura tout vu dans ce pays. Et c'est sérieux. Vous savez, ça fait très mal hein, quand tout un peuple est roulé le kola otozanango. Peuple Nabiso aza roulé de façon systématique. Je ne sais pas comprendre que Batu, Ozo Kambamboka, Bazana Moutema ou Bazanangoana. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est de la blague. Et ces gens jouent avec tout un peuple. Vous savez pourquoi? Parce que ce peuple-là, lui-même, permet le jeu et le modèle Wana. Peuple Nabiso Congolais a limité le jeu et le modèle Wana. Africa News a dit Masolo Mingi Penzate, a dit Masolo Fayulu. Sur ce que Fayulu parle, il y a élection, il va reporter. Nous avons la décision, de Fayulu. Mais nous avons tout jumelé en haut dans le forum des As. Tout jumelé en haut dans le forum des As. Forum des As, à l'objet. Élection, oui, mais dans la paix. De Konabiso, et puis grand frère, Jean-Pierre Kambila, Moutaloba Kiango. Le scrutin était un moment important, certes, mais il ne saurait justifier que le sang des Congolais coule encore, fait remarquer l'analyste Jean-Pierre Kambila. On l'avait bien dit ici à M. Kambila. Ce n'est pas le vote, comme Abraham Lincoln le disait, le vote fait peur qu'un fusil. Aujourd'hui, le régime présidentiel a peur. La peur est au niveau na Bango. Pourquoi ont-ils peur? Ils ont peur parce que, bah, yébi que
Le seul moment au peuple qui peut sanctionner alors sévèrement ce régime est dans la vote. Alors il faut finalement avoir ce que moi j'appelle en français une élection terroriste. Finalement, il faut semer la terreur dans le processus électoral afin que Batouba Banga, beaucoup de psychose, pour que les gens aient peur qu'ils ne votent. Alors il faut passer un message comme quoi, tout qu'il y a la chimie, parce que dans la production contraire. Quand on vous parle trop de la paix, ça risque de vous inciter à la guerre, à la rébellion et même aux frustrations. Parce que quand on a besoin de paix, on n'a pas besoin d'en parler suffisamment. La paix s'est construite. La paix, elle s'est construite scientifiquement par l'élite et se protège par les autorités. Mais elle est encore une fois protégée par le peuple. Mais quand on a un peuple qui ne protège pas sa propre paix, les élites qui ne conçoivent pas la paix, les politiques qui ne pensent pas à la paix, comment voulez-vous avoir une paix globale, une paix générale? La vraie paix, oh, Monseigneur Mbongo Lobaki, est une paix à distribution équitable. Il y a Makambu, il y a Biloko, il y a Mboka. Mais ça, au tout ça. Donc, M. Kabila ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous allons aller dans la paix et tout. Parce que voter n'est pas tuer les gens. Voter, ce n'est pas faire du mal aux gens. Voter, c'est choisir délibérément candidat Obiso Tolingi, Apesa Biso, Yabalonga, Namboka Nabiso. Ce n'est pas ce qui est chez nous. Ce n'est pas ce qui s'est passé par Nabiso. Le Congolais continue à souffrir, continue à périr, continue à être maltraité, à être chosifié, à être diminué. Je vais même dire plus loin, déshumanisé. Place au Congolais comme il est là. Par qui? Par ce régime. Convenablement. Ils sont préoccupés à s'enrichir, préoccupés à devenir plus riches, plus grands, confisquer le pouvoir, le maintenir longtemps que possible et laissant tout un peuple sur la route du développement. Il faudrait en parler. La CENCO et le CC font tout ce qu'ils veulent, que les choses se passent très bien. Alors, je crois que Forum des As a remis effectivement même chose, il y a lobby à Maxi Penza Mingité. Mais il y a un problème à Balobi Likambouya Beni, colère des reports des élections de Beni. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire exactement qu'est-ce qui se passe Kuna. Ni n'est-ce pas Penza suffisamment Kuna. Alors, les deux hommes qui ont été le solo dans avant tout, le solo dans vous, la tempête des tropiques. Lui, je crois qu'il a été clair dans propos. Tout le processus électoral mis en péril. Voilà un titre assez important. Parlons-en. Bandeko, je crois humblement que ceux qui sont sérieux dans un pays, nous ne pouvons pas tolérer que la démocratie soit confisquée par un groupe d'individus, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas na Minito, na Bokanabiso. Cette histoire, il y a Yumbi. Cette histoire, il y a Beniville. Cette histoire, il y a Beni. Cette histoire, il y a Boutembo. Permettez-moi de vous le dire, chers frères, chères sœurs, vous suivez cette émission de partout, c'est de l'arnaque. Je vous dis, c'est de la fabrication de ce régime. Rien à voir avec des faits sérieux. Tenez, nous sommes en 2011. Même en 2006, nous sortons de la guerre. À Beni, à Boutembo, parce qu'il y a de quoi voter en 2006, on a sous les coups des balles, sous les crépitements des balles. Une insécurité pas comme possible. L'Est de la République était départagé par des groupes armés. Plus de 200 groupes armés, connus et non connus. Une terreur systémique. La partie où on est à l'Est, les gens sont allés voter. Sans aucun problème. L'histoire de sécurité est l'homme acquitté. Le gouvernement, parce qu'il avait besoin de voix, il y a battu Kuna, après ça, il y a une possibilité de voter. Souvenez-vous que Kuna, à l'est de la République, il y avait des gens qui ont voté pour le nombre de la vie. Est-ce que vous avez besoin? Vous rappelez Kuna, il y a 4, mais il y a voté 7. C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui a voté, il y a un bébé, il y a un bateau qui a voté. L'est, voilà, 2006. Un poids terrible. En ces temps-là, Vital Kamerhe et les autres, ils ont battu campagne. Ils ont réussi. Vital Kamerhe est aujourd'hui à l'opposition. Il peut nous dire cette vérité-là. Comment ils ont fait pour gagner les élections dans l'Est de la République? Parce que la cartographie électorale du Congo est pour supporter poiter ceux qui est des athées. Ceux qui, bah, quelques partis, bah, circonscription, et y étaient, et vous allez compliquer par rapport à un jeu autour de ce qui est en haut. Ils ont avancé.
Donc, on a déjà que cette raison, la sécurité, la lettre que M. Mouva a envoyée à M. Nanga, c'est une lettre bidon. Bidon dans la mesure où on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est un problème sécuritaire parce qu'on a eu deux fois les élections dans le Congo. Dans le contexte, il y a guerre, caca, contexte, il y a trouble, contexte, il y a insécurité, mais il y a eu quand même élection parce qu'en ce moment-là, voix à Batouya Beni, voix à Batouya Boutembo, et c'est là qui est encore importante. Il y a une élection qui est l'élection. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que Batouana, il y a Est, va se rendre compte que Bangonde Baza va victime ya Kosa Karate. Ils sont victimes ya Maramounioso. Et ces gens-là ne pourront jamais voter pour ce régime. Ils ne pourront jamais voter pour ce régime. Baza plus de 800 000 Batou. 800 000 électeurs côté Kuna. 1200 sont tous en Isina Bao et Nyosoana. Figurez-vous. 1 200 000 et quelques électeurs. Bah, vous allez priver, n'a qu'à voter président de la République. N'a continué le Kambaloua, parce que nous voyons le Kambaloua Sima. Si vous avez fait, nous avons fait Zali. Est-ce que vous imaginez un seul instant, et le modèle Ouana? Bah, mais si raison de sécurité, n'a pas dit que il n'y a aucun problème, il y a sécurité. Il n'y a aucun problème, il y a sécurité. Les rapports internationaux ont montré ici au Congo qu'il y avait des généraux qui vendaient les armes. N'a Kinshasa. Les rapports ont cité nommément le nom des gens. Bah, tout le monde. Ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils ont protégé le régime Otozanango. Ça, on peut laisser tomber. Parlons encore une fois de la sécurité. Regardez la concentration, il y a la police, il y a la militaire Otozanango à Kinshasa. Ces militaires-là, ceux qui ont quitté l'Est de la République, ont réglé le problème. Ils peuvent partir aujourd'hui au moment où nous parlons. On peut les dépêcher les lots. Bakéi, sécuriser le processus électoral, Mobimba. Et puis, vous votez dans la paix, dans la quiétude, parce que le problème sécuritaire, vous allez régler. Ce qui force militaire à Zakuna, à Zanaba frontière, à protéger la population, vous allez voter convenablement. S'il faut même mettre 7 policiers ou 20 policiers dans le bureau gouvernement, c'est possible. Avec tout ce que nous avons comme soldats, vous allez dans l'Est de la République, dans le Benyona, vous allez encercler Benimobimba et vous protéger tout. C'est une question de volonté politique, hein. C'est une question de calcul politique aussi. Malheureusement, ça l'a voté parce qu'ils ne sont pas intéressés dans la voie. Et on a repris sa vie, nous avons raison tout à l'heure. Tout avancer dans l'émission. Regardez encore un autre élément faux. Côté à Congo central. On nous dit non, mais écoutez, nous, ça, tout ça, Babomi Batou, Yumbi, guerre ethnique et tout. On sait tout ce qu'il n'y a pas une guerre ethnique. Mais surtout, tu as une guerre ethnique. Pré-élection. Au Congo, ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu des guerres, pardon, des conflits armés post-élection. Pré-élection. Et il y a qui? Parce que vous avez pré, vous avez appelé la poste. Est-ce que vous avez dit que en 2006, Kataka Tabimana Kinshasa? En 2006, Kataka Tabimaka na Kinshasa, Kukata Batou, ainsi de suite, tout ça, créer la psychose de Mitu Yabatou, surtout Mimi na Kinshasa. Basala a mingi quand le régime a pris l'habitude, il y a pour ça des ordres, on a la veille à l'élection, on a la fief de haut et opposition généralement. Le coup la Kinshasa, ils ont acquise dans l'opposition depuis Kala, il fallait qu'on crée terreur, place au Bango Bazali. Mais les villes, le coup la ville n'est pas Ituri, la ville, le coup la bateau, Bazakuno, Obaï, qui est beaucoup plus de voix. Va déranger à côté. Ils ne vont pas déranger. Mais fief, tu as considéré le rôle acquis. L'opposition déplace le problème de Bandakawana. Et les jeux, tu es bien beau. Mais tellement que les feux de régime ne sont pas si regardants, va donc qu'on pousse à réflexion, moussikate, et moi, tout quand même, moi, je que le jeu, tout ça, tout ça, est déjà depuis qu'à. Et c'est là le plus grand problème aujourd'hui. S'il faut communiquer, il faut discuter, ce sera sur cette base-là. Donc, le volet sécuritaire, on est de côté, ce n'est pas vrai. C'est une histoire, une ânerie, inutile. Mettons ça de côté, parce qu'on a trouvé la solution. Le côté sanitaire maintenant, mesdames et messieurs, parlons-en. Parlons-en. Ce n'y comment y est arrivé qu'on ait le Ebola, parce que c'est un mécanisme Ebola. Ce n'y a un thermomètre, un appareil qui permettre de faire Ebola à telle place, et puis porter dans l'eau à telle place. Bon, ils vont nous dire non, c'est le ministre... de l'intérieur, Ndemoutou a ici besoin que sécurité à Ebola. Mais ce n'est pas là, étant la prérogative du ministère de l'intérieur. Il faut tout le monde un rapport, il y a ministère, il y a santé publique. Il faut que le ministre de la santé publique fasse une déclaration à la télévision, à la RTNC, dans le communiqué officiel, à saisir le ministre de l'intérieur afin qu'à prendre la disposition parce que Ebola est commis. Côté Wana.
Ça, ça n'a pas été fait. Donc, il y a une violation à la procédure. Le ministère de la Santé n'a pas été la première à nous informer que Ebola Zali, parce qu'il y a une habilité. N'habilité, si on fait comment, on fait comment les choses. C'est le ministère de la Santé qui dit au ministère de l'Intérieur, voilà les problèmes à niveau boué, et sécurité sanitaire est mise en jeu pour prendre la mesure. Et le ministre de l'Intérieur, lui maintenant, va saisir instance compétente pour que appliquer, exécuter la mesure Ouana. Et aussi la CENI va subir la restriction du modèle Ouana. Mais parlons maintenant dans le cas Oyo, Ndekonangaï. Na Beni ville, na Butembo, fête et salimaka. Matanga et salimaka. Ba église et salimaka. Est-ce que vous avez la communion? Vous avez la communion dans beaucoup de sang. Mais il n'y a pas d'Ebola là-bas. Voyez-vous, la justification Ebola Ouana, c'est une justification politique, rien à voir avec les réalités sur le terrain. Sinon, avec la propagation de la maladie à Ebola Ouana, ce que c'est là qui bongo depuis toi, ça fera 6 mois ou 7 mois, cette maladie persiste dans le côté de la République. Sans que Kota Goma n'a suffisamment, sans que Kende Bukavu, parce que regardez, ces zones-là sont subdivisées, partagées, mingi, n'a pas maï, n'a pas cours d'eau, mais beaucoup plus n'a Zamba et ainsi de suite. Alors assurez-vous qu'il y a une fréquence terrible, un trafic terrible entre ma ville et Louana. Mais comment se fait-il qu'il y ait concentré côté Moko? L'ont-ils contenu? Ce qui va contenir Ebola côté Louana, pourquoi il n'y a pas de communiqué officiel pour en parler? Pourquoi l'OMS n'en parle pas suffisamment? Pourquoi c'est plus que non de contenir et donc Moko quelque part? Rien n'a été fait jusque-là. Voyez-vous combien il y a de blagues, combien il y a de la blague dans cette question-là. Et moi, ça me fait peur quand même. Hein. Ça me fait peur quand on joue, quand c'est comme ça qu'on utilise la chose de l'État, quand c'est comme ça qu'on utilise les instruments de l'État, je me pose la question, où allons-nous? On me dit que sérieusement, toujours ça, sérieux. Sérieusement, on ne peut même pas nous prendre au sérieux lorsque l'extérieur nous regarde. Bah ça l'élection était pour Ebola Zali. Ebola Zali à côté Nini. Et dans la partie Moko Yamboka, généralisée, ils ont empêché Batou. Va se réunir. Les gens se réunissent déjà. Ici, je vous parle des matchs qui se jouent là-bas. Bah match est Betarakuna. Matanga c'est les Marakuna. Campagne électorale, c'est comme ça les Marakuna. Martin Fayulu. Alors, tu vois, ça la matade Nini, na Beni Wana. Martin Fayulu a drainé une foule pas possible. Mais ni Martin, on a eu un contact direct avec la population. Asimbi Bango, Asimbi Mabele, Martin Fayulu Tamboli, parti Wana Mobimba, Martin Fayulu, Pierre Lumbi, F. Bazaïba, Batou Wana tout. Batamboli côté Wana Nyoso, mes frères et sœurs. Martin Fayulu Azongi Lolo, Ona Kinshasa, Abeli Ebolate, F. Bazaïba, Azana Ebolate. Mais dites-nous un peu, comment vous voyez les choses? Pourquoi vous stigmatisez Batouboy? Pour rien. Alors pour rien. Mais il y a beaucoup de considérations. Namakambouana, beaucoup de considérations. Bopé ça n'a qu'à temps pour comprendre. Beaucoup de stigmates Namakambouto Salawana. Ebola, naeste la République, la République est cause à la raison T. Et cause à la raison T. Souvenez-vous, campagne électorale, et du coup, ça, il n'y a eu aucun problème. Donc, c'est une fausseté. Bako, ça va tout être que côté on est à bon. Mais maintenant, quelles sont les vraies raisons? Les vraies raisons, mes frères. Pourquoi va exclure Ndam au Congo central, partisan Yumbi? Pourquoi va exclure Beni? Pourquoi va exclure Beniville? Pourquoi va exclure Boutembo? Va exclure fief Touana parce que ça va fief acquis l'opposition. Et ça va fief acquis l'opposition. Comment? Tenez. Depuis un certain temps, Nanga, monsieur Nanga, n'a Seni, n'a majorité présidentielle, n'a banalise Nanga libre ou dans tout ça là. Je me rends compte que il y a un mécanisme pour que conserver le pouvoir. C'est là le problème. Comment ils vont faire pour conserver le pouvoir? Bobo Sanaté, ils ont commencé ça dans le seuil électoral. Déjà, il y a un seuil, et bon, moi, déjà. C'était déjà une entorse, une entrave dans la démocratie d'Abisso. Les gens de représentativité, c'était discutable, très discutable. Alors, très discutable. Ils ont empêché à ce que les gens qui ne postulent, les Bangoumou qui sont indépendants, ils ont voulu garder une histoire de. Continuer à regarder caste Moroboé ou une sorte d'oligarchie, continuer à regarder en gros pour imprimer ou imposer aux Congolais volonté de Bango. Ce qui n'est pas, à mon avis, compréhensible. Mais toi, avancer pour nous comprendre. Que représente Beni, Boutembo, puis Yumbu? Mais parlons d'abord de la côte est. Les autres représentent Nini.
cette partie de la République va subir discrimination politique depuis plus de 17 ans. Depuis l'entrée de l'AFDL, je veux dire 21 ans, ce côté de la République n'a jamais été tranquille. Les femmes ont été tuées, mutilées, violées, détruites. Les enfants ont été finalement massacrés. Ce peuple a été victime de ce régime. On dirait Mabé Basala na Mukidena Gobi Okobotabana Congo. Le Rwanda, voulant contrôler, maîtriser le Congo, il fallait pas utiliser Basiloko ba arme na bango. Ça, c'est de la vérité. Il fallait utiliser les femmes comme une arme de guerre, les massacrer, piller le sol congolais, piller les territoires congolais. S'il faut même rayer cette partie de la carte. Et pendant tout ce temps, les autorités à Kinshasa, les autorités à Congo, Basali Moussalaté pour arrêter Bétizouana. À l'époque de Mobutu, c'est vrai, la paix était assez fragile, mais il y avait une sorte de paix, une sorte d'alchimie côté Ouana. Mais depuis que Mobutu est parti, ceux qui l'ont remplacé finalement ont amené le déshonneur, la désolation, le deuil dans la partie de la République Ouana. Ces gens-là n'ont pas de paix. Balerasu mingité parce que balili tellement mingi. Alors Batouana Bazela qui, en 2006, va voter parce qu'ils pensaient que ça pouvait changer les choses. Ils ont été dupés. En 2011, ces gens-là, pour la plupart des cas, ont voté pour Étienne Tshisekedi. La vérité, on ne dira jamais cela. La vérité, on ne nous le dira jamais. Quand ils sont partis finalement, ça veut être comment il est compliqué. Bah, voter qui pour un changement depuis 2011, c'était leur péché. Ce régime a gagné la Mokanda depuis Mukolwana. Depuis que ces gens avaient voté massivement contre le régime, il y a eu déjà une sorte de Kanda. Il y a eu la Bango, Équateur, et ça, la province où ils votaient Mabé. On peut dire ça comme ça. Et puis quelques autres provinces aussi qui avaient mal voté, entre guillemets, voté Mabé, ça dit voter qui va voter. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation au bas d'impossibilité. Le cercle des frustrés est mati. Le cercle des frustrés est commis tellement mingi que ces gens-là n'avaient qu'une seule tête, une seule voix. Refuser ce régime. Et vous avez vu objectivement quand Martin Fayulu est arrivé à Beni. Vous avez vu. Sans mot d'ordre, Batoubaye, depuis Tongo, Tindenge Martin Azongaki, ces gens-là étaient avec lui. Martin. En réalité, ce n'était pas la beauté de Martin. Ce n'était pas parce que Martin Fayulu avait quitté Komingi. Non. Ces gens-là se voyaient en Martin Fayulu. Ils se voyaient dans les changements. Ils se disaient, ce qui Martin continue à pouvoir avoir, il est impossible dans un pays, c'est ça l'expression. C'est inconcevable que les parents enterrent leurs enfants. Dans un état de paix, ce sont les enfants qui enterrent leur père. Mais kuna ba papa ba kundi bal na bango mingi. Dans la logique de choses, muto abotami liboso yende fa kufa liboso et non l'inverse. Ça c'est quand les choses sont assez claires, c'est vrai à proportion gardée. Mais chez nous au pays, c'est pas comme c'est compliqué. Muta kufi pa kenaki na zamba, ake ko luka biloko ko lia, azongi te akufi parce que batukuna ba bomie. Donc des gens qui se sont arrogés le droit d'utiliser les corps des hommes et les corps des femmes pour faire peur aux autres. Alors, qui va voter contre ce régime. Contre ce régime. Qu'est-ce qui va se passer? Va bloquer les possibilités. Non. Surtout, qui va voter parce qu'ils représentent à eux seuls un très bon pourcentage. Et la guerre de seuil. Il faut finalement que l'ongola bango kuna. Il faut tout faire pour baisser la tension. Parce que 1 200 000 personnes, ça fait beaucoup dans la terre dans les élections. Ça fait beaucoup. Un siège est important. 1 200 000, je peux me tromper dans ma calcul, ça fait autant de sièges. Parce qu'un siège au Congo, c'est 400 000 voix. Pour nous à l'Assemblée nationale. Un siège, c'est 400 000 voix. Il faut avoir au moins 400 000 et tout. Alors, la majorité calcule la Bangoza. Comment on fait pour avoir au moins 350 députés? Calcule les Awana. Comment faire pour avoir au moins 350 députés pour que tu sois dans la majorité parlementaire? Et c'est là le plus grand problème. Maintenant, comment on va faire? Batali na carte électorale, cartographie électorale. Ba fief, pardon, ou ezali
ezali mingi pona pona eza pardon favorable na majorité eza par exemple en vert o eza favorable pour l'opposition eza par exemple en rouge. Et comment ça se passe? Comment faire pour détruire l'électorat? Il y a rouge jaune, il y a beaucoup de mécanismes, hein? Annuler le scrutin, c'est possible. Faire la qu'on appelle fusion, il y a centre électoraux, ningibazoloba, ça veut dire parce que oh, c'est la première étape, hein. Tito comme vendredi, bougoyo quelques mesures pour ce gobima, bakocha, bakokangayango, comment fusionner bas centre? Ça veut dire quoi fusionner les centres? Ça veut dire ceci. Batu ya ingende, to batu ya bongandanga. Exemple, ceux qui vont nous la fusion, ça dit bas centre on y a sa bongandanga, bah ils n'ont ingende. Ça veut dire électorat ingende. Pour n'abat élire, il faut pas mettre boîte. Bah y a ti na bongandanga pour nous voter. Qui va faire ça? Qui va vouloir pagayer à l'oukaboua tonaye pour qu'il vous voter? Vous allez vous rendre compte que ça, ça ne va toucher que le côté opposant. Quand la fief y a opposant, il y a opposition, il va toucher bon. Donc vous avez vu quand même que condition d'abisso est un malin ou mingité. Est un malin ou mingité. Alors, je vais revenir sur la deuxième question, sur la comment on appelle, appréhension politique et Makambo. Mais pour la première partie, il y a le premier numéro d'abisso, vous comprendre que il n'y a pas problème sécuritaire, il n'y a pas problème sanitaire. Il y a une question, une volonté manifeste de bloquer le système électoral, de le constiper, voyez-vous, de le constiper, de l'intoxiquer afin que, ce régime, ces processus, ils allaient dilater, ils allaient favoriser la banque. Tout ce que Nanga, monsieur Nanga fait, c'est comment faire pour faire gagner monsieur Chadari. C'est comment faire pour faire rester ce régime dans le pouvoir parce qu'il y a des représailles. Ces représailles, ils ont été appuyés. Il y a abus au Basalaki pendant qu'il va être géré. Mais rassurez-vous d'une chose, le soleil finit par apparaître.